Et c'est une fin de tournage. Fais-le sur la miniature. Donc... Ah. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une guest très spéciale. Madame point virgule. Mégane sinon. Sinon, ouais, ouais, c'est pas mal aussi. Du coup, aujourd'hui, on a décidé de faire une petite vidéo très sympa. D'ailleurs, c'est Meg qui a eu l'idée, donc c'est trop cool. Ouais. Et si vous la connaissez pas, je vous l'ai pas dit, mais Madame point virgule sur tous les réseaux, BookTok, Instagram surtout. Et voilà, elle est très drôle. Ses reels sont très drôles. Je vous conseille d'aller la voir. T'allais dire, je sais, ouais. Ouais, je sais, je suis hyper drôle, finalement. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un... Comment ça s'appelle déjà? Un truc... Attends, ça s'appelle un... C'est un... Ça, là. Un devine le papier qu'on a écrit. C'est quoi le nom? Attends, Time's up. Time's up. Time's up. Du coup, Meg, elle a eu l'idée de faire un Time's up littéraire. Et genre, on va faire presque tout comme le Time's up. Si vous connaissez pas, vous allez vite comprendre. En gros, c'est en 3 manches. Donc, on a écrit plein de petits papiers, là, avec des titre de roman. La première manche, on va devoir se faire deviner avec ce qu'on... Enfin, genre on peut parler autant qu'on veut. Deuxième manche, on doit faire deviner en un mot. Et troisième manche, normalement, c'est des mimes, mais on a décidé de faire plutôt des dessins. Sachant qu'on n'est pas mieux en dessin qu'en mime, je pense. Voilà, on a mis 15 livres chacune, ce qui est en fait 30, mais en vrai, je pense qu'on connaît assez bien le monde du livre. Enfin, genre, tous les livres en général, tu vois. Ça, et après, on va être là... Ouais, non, coup, je m'emballe un peu, peut-être. Ben voilà, c'est parti. Qui commence? Allez, c'est toi, c'est ta chaîne. Ok, d'accord. On a 45 secondes pour faire deviner à chaque fois. Donc là, il y a 30 papiers. J'essaye d'en faire le plus possible. Et ensuite, je te passe... Bref, c'est pas très compliqué, vous allez comprendre. Je stresse un peu. Mais non, pas de stress. 1, 2, 3. C'est un livre d'une autrice que j'adore. Elle écrit du contemporain adulte. Marie-Marie. Non, la couverture, c'est des arbres. C'est très bleu. Ça ressemble un peu à Agnès Martin-Lugan. Tu vois, je n'ai pas. Tu l'as lu, je l'ai pris sur ton livre à dit. Il est sorti très récemment, l'année dernière, et je l'ai adoré. Ah, c'est Tout Petit Rien qui nous a dit. Oui. Oh la vache. C'est un livre où on a rencontré l'auteur au salon du livre et tu t'es fait renverser un truc de super hasard. Mia Hunt. Mila oui, Hunt. Oui, oui. Un livre rouge chez la collectionnaire. Non, truc qui parle de la mort. Chez la collectionnaire. Ah oui. Le truc de Nietzsche, attends, la prochaine. Ouais. Bon, vas-y, on va dire que tu l'as. 3, 2, 1. C'est un livre d'une autrice française, genre best-seller. Tu comprendras quand tu seras plus grande. J'ai vu le papier, il est énorme, c'est le mien. Oh la tricheuse. C'est une autrice de romance que j'aime trop, qu'on connaît. Vie en scène. Ouais. Quoi, il y a que mes papiers? Je sais pas, on n'a pas mélangé. C'est un livre de thriller young adulte. Meurtre au matin encore. Ouais. T'es hyper connue chez PKJ. Et genre, c'est devenu un Gardien des Cités Perdues. Hunger Games. C'est, ouais. C'est un classique. Il y a une nouvelle version chez Flammarion Jeunesse très récemment. Des fleurs pour Algernon. Ouais. J'en ai un peu plus. Mais en fait, t'as tous mes papiers, donc je les connais. Mais je pense qu'on n'avait pas mélangé, en fait. C'est bon? Alors, c'est pas 1, 2, 3. C'est un livre très sombre qui parle de filles qui sont séquestrées. La cave. Oui. Un livre bleu chez PKJ que j'ai adoré. C'est des enfants qui vont sur... qui sont maudits, qui vont sur une île et qui... non, et qui doivent attraper des portes. Tous les... Et si dans 365 jours ils ont pas la porte, oui. Le livre que tu viens de citer. Wilder Girls. Je l'ai mis aussi. Un livre rouge chez Casterman, une secte. Par le feu. Oui. C'est un contemporain chez PKJ avec une fille rousse. Je l'ai même pas. Non, c'est moi qui l'ai écrit. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. C'est sur la danse, c'est devenu une série Netflix. Tiny Pretty Things. C'est un livre pas trop connu qui parle de aller sur une montagne, enfin y a, c'est genre une randonnée. L'espoir sur une semaine. J'avais adoré. C'est chez Casterman, c'est récent. C'est, si c'est un peu féministe, c'est des filles qui partent. Ouais. C'est une fille qui doit faire un peu bachelor, mais genre avec un prince. C'est terrible mes descriptions. C'est un auteur que t'aimes beaucoup. Ah merde. Oh putain, tu m'as fait trop. 1, 2, 3. Bah on a mis même la rouge secte. À part le feu. Ouais. Ce que je te disais, une fille rousse, PKJ, et une couverture beige avec un mec, ils sont de dos. Elisabeth Mons. Non, ils ont un casque, des écouteurs. Et Anna Park. Ouais. Un livre que je viens de lire, écrit par une bookstagrammeuse sur la maternité. Un jour de plus de ton absence. Un livre chez Casterman, il y en a beaucoup, dis donc. On les aime bien. Sur quatre reines qui... A Four Dead Queens. Ouais, ouais. Un livre qui m'a brisé le cœur. Putain. Ça va trop vite.
Mais tu vois, ça va vite 45 secondes. Mais c'est drôle parce qu'en fait, on panique. On est là. Allez, go. T'as lu que le premier tome et t'avais aimé, mais t'as pas lu la suite. C'est un peu genre les X-Men de Young Adult. C'est paru chez Nathan. Sur la couverture est noire. Récent. Ouais. Les X-Men. Ouais, c'est un peu. Enfin, genre, t'as compris. c'est un livre. J'allais dire l'autre. Genre la couverture elle est grise et c'est un bad boy et une meuf un peu timide, cliché, c'est une romance. Si I Mention I Love You, c'est pas du tout. Non, il y a deux auteurs. Ashes Falling for Sky. Ouais. C'est un de tes auteurs préférés, il vient de paraître une faux BD. Boss. Oh purée. Allez, c'est parti. Un livre paru chez Nathan qui est sorti il y a un moment. C'est des gamins qui vont... Oh, je me souviens plus de ça. Décris la coupe. Avant la destinée, c'est pratique. Attends. Si, ils vont partir sur un vaisseau à la fin. J'ai lu que le tome 1. Non, sur un bateau. C'est pas du tout la même chose. C'est le pire 45 secondes. Attends, mais sur un... C'est toi qui l'as mis. Mais si, il est sorti au même moment que Les Puissants. Gregouk. Oui. Un livre en 4 tomes qui est adoré par Bubu. Le premier tome est... La passe miroir. Ouais. Putain, Garico, je me souviens plus. Je crois que j'ai spoilé la fin. Et en plus, je vais dire un truc, si jamais les auteurs vont passer par là, tant pis. Mais ils sont grave beaux gosses, les deux. 3, 2, 1. Bah, c'est un auteur que t'aimes beaucoup, mais t'as remis le papier. Non, c'est toi qui l'as. C'est le bachelor de Young Adult. Alors, c'est un livre en 4 tomes que t'avais beaucoup aimé. Ça reprend des contes. Chaque tome est un conte. Repris. C'est un peu dystopique, c'est sur un peu des jeux vidéo. C'est chez PKJ. Warcross. Ouais. Il en reste un. Le suspense. C'est des filles où il y a une maladie sur une île. Wilder Girls. Nous avons fini la première manche. Trop bien. Nous allons compter les points. C'est toi qui l'as remis. C'est toi qui me l'as fait deviner. Putain, je suis trop bête. Elle m'agresse, moi, ça. J'en ai 13. On est compté 16. Nous sommes littéraires et pas. Et pas doué avec les chiffres. 1, 2. Alors attends, on enlève peut-être ceux qui sont en double. Ouh, c'était laborieux. On note 17 et. Ouais, je vais noter sur mon téléphone. Donc toi là, je pense que t'as remporté la manche. Ok. Là, ça va se corser parce que on va deviner en un mot. Parti. Go. Bachelor. C'est la sélection. Homicide. Passe. Best-seller. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Montagne. L'espoir sous nos semelles. Bulldog. La passion roi. Coca. Mila. 1, 2, 3. Souris. Les faire pour le dire non. Dystopie. Je crois que j'ai vu Hunger Games. Oui. J'ai vu ma vie. Merde. Secte. Par le feu. Ouais. Mort. Wilder Girls. La faucheuse. Oui, mais du coup, ça compte ou pas? Bah oui. Ok. Ouais. Podcast. J'ai dit Nevernight, mais on l'a pas eu. Donc non. Tu passes? Je passe. J'ai pas okay. Passé. Rousse. Ah merde. Même plus. Non, bah c'est pas grave. Ah si, ça y est. Mais ça 3, 2, 1, go. Homicide. Je sais toujours pas. Romance. Ashes Falling for the Sky. Île. Nil. J'aurais pas de dire. Rousse. Elanarine Park. Mars. Phobos. Kidnapping. La cave. Parce que j'allais dire cave, mais du coup, ça marche pas. Danse. Tiny Pretty Things. Et bonjour à deux. Trop tard. Parti. 2, 3. Putain. C'est sûr que j'allais dire des trucs horribles un jour de plus de temps. Non. Beau gosse. Gary Cook. Virus. Wilder Girls. Ouais. C'est lui où j'ai dit il. Ah ok. Bad Boy. Ashes Falling for the Sky. Ça compte comme un mot ou ça passe? Ouais, on va dire c'est un mot. X-Men. Tu les puissants. Oui. Putain, c'est le même. Attends, je vais changer de mot. Oh putain. 3, 2, 1. Purée, bon je vais passer par un autre truc, adolescent. Meurtre mode d'emploi. Oui, c'était ça homicide. C'est ça homicide. Féministe. L'année de grâce. Bookstagrammeuse. Un jour de plus en ton absence. Ça rend une sérieuse mais... ok. Reine. Hornet Queens. Conte. Conte, les chroniques lunaires. Bookstagrammeuse. Un jour de plus en ton absence. Il en reste 2, 3. Mais tu sais que podcast c'était pour meurtre mode d'emploi. T'as lu le tome 2? Bah non. Ah c'est pour ça, parce qu'elle fait un podcast. Ah non, je l'ai pas. Allez, c'est reparti. Romance. Mise en scène. Ouais. Réalité virtuelle. Warcross. Ouais. Ça fait deux mots, mais bon. Ouais. C'est pas grave. Je gruge à chaque fois. Il en restait plus que deux, donc. Ouais. Bah voilà. On compte nos points. C'était plus simple, ça, je trouve. 14. Donc normalement. Bah normalement, t'en as 16. Ah, mais non, parce qu'on en a enlevé. Ah ouais, on en a enlevé 4. Donc il nous en reste 16. Mais non, il en reste pas du tout 16, je suis con. Il en reste 26. 13, 14. 11, 12. Donc t'as encore gagné?
Eh, c'est parce que moi je trouve vite les mots, hein. Bah oui, mais je l'ai dit. Vas-y, non mais je suis sur ma chaîne et tu... Donc vous pouvez tous venir sur ma chaîne à présent. Enfin, j'ai pas de chaîne YouTube, mais vous avez compris. Non, en vrai, il faut trop que tu ouvres une chaîne YouTube. À combien de likes sur cette vidéo, tu ouvres une chaîne YouTube? Mais je sais pas combien sont tes likes habituels. Genre si je dis 500 000, bah ouais, je vais te dire. Non, en vrai, en moyenne, je sais pas, ça dépend trop de la vidéo, mais genre 500, c'est faisable, quoi. La dernière fois, j'ai demandé 1000, je les ai eu. T'as demandé 1000? Ouais. Bah, on demande 1000. C'est une vidéo qui a bien marché. Je m'en fous, mais vous, bah, faites-moi marcher. Sinon, ça veut dire que je n'ouvre pas de chaîne YouTube, ça vaut okay, pas. Ok, à 1000 likes. À 1000 likes, Madame première virgule, fait une chaîne YouTube. Ok. Je vais harceler tout le monde, hein, pour qu'ils aillent liker. Donc là, on va dessiner. Et donc, on va dessiner sur le note de téléphone. Mais une minute? Une minute, allez. On est des fous, nous. On est des dingues. À partir, je dois partir en 10 minutes. Bah, vas-y, partons, si tu veux. En fait, ça me fait chier, je l'aime pas. Je suis là juste pour les likes. Alors, ok, un, c'est parti. 2, 3. Alors, je sens qu'on va passer 2 ans. Comment ça marche? Et genre, il y a des. Ah, c'est tout petit rien qui nous anime. Oui. Ok. Putain. Quel est ton truc? Je veux pas celui-là. Déjà, Gary Cook. Ça compte pas normalement, mais bon, on va te l'accorder. Comment tu fais? Qu'est-ce que c'est ça? On m'a dessiné une chauve-souris. Non, mais là, c'est un bonhomme, quoi. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et genre... Ah, t'as une hypothèse. Oui. Vas-y, on va dire que tu l'as. Putain, Gary Cook, j'ai paniqué. Hein. Je... 1, 3, 2, 1. Je n'ai pas couvert. Putain. Oh, Viens, Sam. Oui. Putain, ça va, c'était pas trop... Oh. J'ai pas la couve. Qu'est-ce qu'elle nous fait? C'est une maison. Je me refais parce que c'est terrible. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Phobos, merci. Quoi? C'est quoi ça? J'essayais de faire la planète Mars et Léonore. Un. Ok, c'est parti. 2, 3. Et genre. L'espoir sur nos semelles? Pas du tout. Planète grasse? Oui. Ça, j'ai la couve, mais bon. Corbeil, rien d'impossible. Sachant qu'il y a une couve que je ne connais pas. Ça, tu le connais, ça? Non, c'est pas du Je sais pas. Les bonhommes bâtons, c'est vraiment notre truc. Vraiment, n'hésitez pas à nous engager pour surtout dessin. Toutes commissions. Mes commissions sont ouvertes. C'est vrai. Mais t'as reconnu là? Mais pas du tout. En plus, je me fais engueuler. Ouais. Attends, je continue. Et la Noraine Bob. Vas-y, je te l'accorde parce que vraiment t'as tout donné. T'as tout donné. Je comptais sur la rousse en fait. Ah, c'est parti. 2, 3. Oh purée, le pomme de terre. La cave? Non. Attends, mais. Les puissants. Oui. Oh purée, le pomme de terre. Nil? Je sais pas le faire. Mais si, en fait, là, tu vois, comme ça, et... J'ai pas du tout. J'ai mal aux abdos. C'est là, je connais pas trop les coups. Oh, ah putain, j'avais pas du tout. Non, mais c'est trop dur, là. Oh, mais je dois partir dans 5 minutes. Demain, on est encore un fou. Mais en même temps, vu notre niveau, faut pas aller très loin. 2, hein. 3. Des fleurs pour le jardin. Oui, quelle galère. Je sais. Je fais sur le même dessin, je m'en fous. Qu'est-ce que... Si, attends. Une montagne, oui. L'espoir qui... Oui. Sous nos semelles. Oui. T'as compris quoi, vas-y, c'est bon. Il était beau mon dessin. Magnifique montagne. Genre... Ok. Le néant. Non, la couleur, c'est très important la couleur. Enfin, un bonhomme bâton quoi, après il faut... Là j'ai pas du tout. Je te jure. Attends. La prochaine fois on invite quelqu'un qui s'est dessiné. Non, ok, bon. Ça c'était pas sur la coupe, c'est un indice. Ah, je suis allée me faire oui. Bon, allez, les garde, les garde. Putain, regarde ma galerie. Putain, tu me passes hein, les petits papiers? Ouais. 1, 2, 3. Oh, punaise. Meurtre mode d'emploi? Mila Hunt. Non. De quoi on a parlé? Par le feu. Je te dessine la tranche. Est-ce que tu vas comprendre? Quand vous l'aurez, vous allez rigoler. J'ai pas du tout. Bah, tu veux passer? Ouais, parce que vraiment, je l'ai pas. Tu comprendras. Ah, j'ai pas.
Les trucs en papier. On a mis le timer. Oui. Il te reste 8 secondes. Merci pour le stress. Je sais pas. C'est trop dur. C'est hyper dur, on est trop dur. Le bios Jimmy Grimaldi, je l'ai senti. C'était gros, j'ai fait ah ouais, c'était sûr. Je suis en retard. Oui. 1, 2, 3. Bah, donne un papier. Ok, t'as compris. Meurtre mode d'emploi? Non. Et genre. Mais si. The Wilder Girls? Oui. Je crois que j'ai vu la sélection. Non. J'arrive pas. La panique à bord. Mais la couve, elle est. Si tu dis moche, je rigole. Non, elle est genre hyper simple. C'est pas cette fleur, mais c'est une fleur. C'est tout ce qui est sur la couve. Quoi? Attends. Je te donne des indices. Alors, on est plus après. Non. Non, t'as pas, ok, on se fait. J'ai fait. Ok, c'est parti. Attends, je sais pas. À chaque fois, tu me fais le contour comme si. Non, je sais pas. Un jour de plus en ton absence. Non. Attends, je te fais un indice là. Une fleur, il y a des fleurs pas. Non. Ford et Quint. Non. Je sais pas pourquoi les couronnes. Les chroniques lunaires. Je sais pas. Mais trop nul en déjà. Je sais pas. Bah, faire d'autres. Je fais par dessus. Oui. J'ai pas le temps. Non. Vas-y, ta gueule. Je répète. Y'a plus de règles. T'avais l'air hyper inspirée pour celui-là. Mais oui, en plus, parce que j'avais trop la couve en tête. Meurtre mode d'emploi. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Je sais pas. Je suis morte. Si tu l'as. C'est un indice. De quoi qu'il y ait l'indice? Ça, c'est l'indice. Ça. C'est quoi ça? Par le feu. Oui. Je te refais celui-là. M'en fous, y'a plus de règles. Okay, d'accord. Temps. Parce que sinon, demain, on y est encore. Alors, ça. La sélection? Mais pourquoi bleu? Bah, il est bleu la couverture. Mais ça dessinait quoi là? Bah, c'est sa robe. Et tout à l'heure, c'était le prince. Je crois que c'était une tête. Donc, je m'imaginais, je sais pas, moi, quelqu'un aux cheveux bleus. Bon, on s'approche de la fin. Go. Comment je vais faire? Île? Oui. je me suis dit île bleue. Je sais. Parce qu'il en reste plus beaucoup, c'est le livre. Comment on le dessine? Non, putain, non. C'est pas du tout ça. C'est pas. Passe. Je sais plus comment on le dessine. Mais c'est trop dur. Ils sont trop durs. Ouais. Ça, c'est la faucheuse. Ouais. Oh, je sais. Vas-y, on relance. Non. Parce que d'ailleurs, je relance dedans. Ok. La passe miroir? Non. Ah putain, c'est vrai qu'on l'a pas eu celui-là. Là, c'est juste un main. Je l'ai eu, mais bon. Ford et Twins. C'est chaud, ça. Ça, je sais pas comment on le dessine. C'est chaud, mon frère. Ah! La passe miroir? Oui. Ah, j'ai compris! Ah, t'as compris ce que je voulais faire? Je voulais faire une tour! Je passe. Mais ça aussi, comment tu veux le dessiner? Non, est-ce que. T'as trouvé, il reste pas beaucoup. Ça, c'est la couleur. C'est genre juste une petite personne là. Et genre il y a une route là, je crois. Ok. 1, 2, 3. Oh, crotte de bique. Un jour de plus en ton absence. Oui. Je l'ai eu celui-là, je l'ai passé. C'est une dame. Oh, punaise de pomme de terre. On dirait un surf. Quelqu'un qui surf. Ceux qui ont la ref, là vous allez dire qu'elle abuse parce que. Je réfléchis. Non, j'ai pas. 1, 2, 3, je vais dire tous les trucs qu'on a pas fait. Non, bah ça, je l'ai eu tout à l'heure. Bon, Meurtre mode d'emploi. Ça, je crois que c'est ce que tu viens de faire. Warcross? Non. Ah, c'est ça que tu faisais? Pourquoi ça? Ah, Cinder? Enfin, les chroniques lunaires? Ouais. Ça, c'était bien fait. Ça, j'ai reconnu. C'était une chaussure. Le truc que tu viens de faire, je crois que c'est ça. Warcross. Bah, celui-là, c'est celui que je t'ai fait tout à l'heure, mais. Milent? Oui. J'ai vu le M et le. Du coup, j'ai une trucheuse. Oui, je suis une trucheuse. Quel livre on a pas fait? Meurtre mode d'emploi? Oui. Je vais faire des trucs comme ça. Ah, ça c'était bien fait. Tu vas voir lequel j'ai pas réussi à faire. Bah du coup tu sais c'est lequel. Mais bah, vas-y dis-le et... Hunger Games. Comment tu fais Hunger Games? Moi je voulais faire le Mockingjay, j'arrivais plus. Mais moi non plus j'arrive pas à le faire. Et c'est ça que je t'ai fait tout à l'heure, je t'ai fait la toute dernière couverture, elle est verte, il y a juste le Mockingjay en haut. Elle est verte la dernière couverture? Ouais mais le... Elle est bleue non? Non, le tout dernier livre là. C'est après Hunger Games. Ah, la balade du serpent et du machin. Ok, okay, d'accord. De toute façon t'as perdu quand même parce que j'ai gagné les deux premières manches. Oui bah ça va. Alors si vous voulez des graphistes, hein, n'hésitez pas, on est là. Non, franchement en plus on s'est pas appliqué parce que ça allait hyper vite. Oui, c'est le stress. Ouais, en plus. C'est le stress. Bon. Parce que je sais à peu près dessiner en vrai. Ah moi, pas du tout. Bon bah voilà, j'espère que ça t'a plu. C'était drôle, hein. C'était très drôle. C'était hyper drôle. C'était très drôle. Mais je savais que ça allait être drôle. Du coup, j'espère que vous aussi que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir Meg ou Madame Point Virgule sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, Amy Like, elle se fait sa chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Voilà, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, très belle lecture. Bisous.